Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une petite recette. On va faire des chips à la pomme. Pour cela, vous aurez besoin de sucre glace, de 2 pommes et d'un peu de citron. On va venir préchauffer le four à 100 degrés. Ensuite, on va venir couper la pomme en deux. Puis on utilise la mandoline pour faire de fines tranches de pommes. Voilà ce que ça donne. Ensuite, on va mettre le citron dans un récipient. Donc vous pouvez prendre soit comme moi un citron déjà pressé, soit faire votre jus avec un citron frais à la maison. On vient tremper les tranches dans le citron, ça donne un goût acide qui est super bon. Mais si vous préférez enlever le citron, vous pouvez, c'est une étape facultative. Ensuite, on met un peu de sucre glace sur du papier sulfurisé. Ensuite, on vient répartir les tranches de pommes. Je remets un peu de sucre glace par-dessus. Et je viens enfourner à 100 degrés toujours pendant 1 h 30. On va laisser sécher un peu les pommes, puis après on va pouvoir les décoller du papier sulfurisé, donc faire doucement pour pas que les pommes se cassent et que ça fasse de jolies tranches. Et la recette est terminée. J'espère que cette recette vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous et à la prochaine vidéo.